Et salut les amis, c'est Maxinas. On se trouve donc pour la suite des aventures de pour Batman Arkham Asylum. Dans le précédent épisode, nous avons sauvé différentes personnes, notamment le directeur Sharp. Et maintenant, nous sommes enfermés dans cet asile de fous, où on est en train de poursuivre Mademoiselle Harley Quinn. Harley, tu es là? Hop. Oh putain. Ah là j'ai eu le réflexe de direct appuyer sur, sur le coup de poing. Encore Zaz. Pour information, le patient a été transféré du docteur Classic en congé depuis l'incident de la semaine dernière. Bonjour Victor, veuillez vous asseoir. Garde, vous pouvez nous laisser. Désolé docteur, ordre du directeur. Je ne peux pas vous laisser seul. Je comprends. Bonjour, Victor. Comment vous sentez-vous? Victor, je ne peux pas vous aider si vous ne partez pas. Déprimé. Ça vous aide? Pouvez-vous entrer dans mon esprit, docteur? Pourquoi déprimé? Je pense simplement à ce que j'ai pas. J'avais besoin de la cicatrice. Comment la cicatrice? Ah, je me demandais comment on faisait pour le récupérer celui-là. Hop là. Et là vous vous demandez pourquoi il a demandé une cicatrice, c'est parce que bah en fait je crois bien qu'il a tué la précédente docteur. Vu toutes les infos qu'il savait sur elle, à tous les coups ça devait être ça. Alors par contre, qu'est-ce que... Ouais c'est bien gentil de pouvoir aller là, mais... Où est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Ça doit être ça. Là. Voilà. Hop, on descend. Et on y va. C'est pas toujours évident, hein. Alors... C'est la glace avec les plus dangereux des prisonniers. Le voici, monsieur J. Parfait! Je te laisse t'en charger, ma chère. Attrapez-le! C'est ça, ramenez-vous. Putain, vite, barre-toi! Les grimpes! Voilà. Mais... Voilà. Alors, c'est tout, Batman! Mais putain, passe par là! Voilà! Il m'agace à faire ça. Non létal. C'est impossible. J'arrive tout de suite. Oups, changement de plan, petite.
Je n'aime pas les perdants. Je te raye de la liste des invités. Ça ira mieux la prochaine fois. Non. Oui. Hey, pas touche à la marchandise. Ma liste d'invités. Silence. Pourquoi y a-t-il des sourires devant certains noms? C'est toi le détective, à toi de me le dire. Monsieur J me retrouvera. Tu regretteras ce que t'as fait. Mais elle passe entre les barreaux. Ouais, c'est ça. T'as raison de t'en aller, tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Mais passe totalement entre les barreaux, là. Même moi, je passe. On peut pas parler avec elle. Monsieur J reviendra. Croc, c'est bon. Harley est... maîtrisé. Et j'ai scanné ses empreintes. Vous pouvez trouver le labo secret dans les jardins. Oui. Harley est allé partout sur l'île. Je règle le scanner pour qu'il n'affiche que les empreintes contenant des traces de chlorophylle. Bon, écoutez, soyez prudents. J'ai reconfiguré un satellite pour qu'il affiche une analyse thermique de l'île. Les jardins sont chauds. Il s'y passe quelque chose d'anormal. Ivy. Il faut donc partir au jardin botanique. C'est parti. Par contre, c'est pas bon pour sortir. Et pour être honnête, elle ne s'en est pas mal tirée. Donnons-lui un B+. Et entre nous, je viserais plutôt le A. Et il me faut juste à mélanger quelques-uns de ces produits pour créer ma propre petite armée. Ma propre petite armée. C'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose. Attends, mais merde. Voilà, c'est ça que je veux... comprendre. C'est par où pour sortir? Je me suis trompé. Demi-tour. What? Voilà, le plus à gauche possible. Regardez là-bas, il y a un monsieur qui nous attend justement. Là. Sam, avec Jack Ryder. Jack, nous avons que tous les accès à l'île sont interdits. La police et l'armée sont au point de contrôle. C'est vrai, l'île est efficacement isolée du continent. Rien n'y entre ni n'en sort. Les premiers rapports faisant état de la présence de Batman sur l'île semblent être confirmés. Un témoin oculaire affirme qu'il a ramené le Joker à Arkham après l'incident au bureau du maire. D'après des rapports non confirmés, Batman aurait été tué durant l'évasion osée du Joker. Mais j'insiste, ceci n'est pas confirmé. Plus d'infos dans nos prochaines éditions, à vous les studios. Merci Jack, nous vous donnerons plus d'infos dans nos prochaines éditions. Comme l'a dit Jack, nous ne savons pas avec certitude, mais il semblerait que Batman ait été tué dans la tentative d'évasion. Restez avec nous pour connaître les dernières informations, et maintenant retour ça au va, programme plutôt normal. Serein. Putain, j'ai eu peur. Foiré. D'accord, il était juste enfermé là-dedans, comme ça. D'accord. Pourquoi pas, après tout. Ah, d'accord, il était là. J'ai... Putain, mais j'ai cliqué sur... J'ai fait mon clic droit. J'ai même cliqué à l'avance. Bon, du coup. Il nous reste combien de temps? 20 minutes. 20 minutes pour rejoindre les jardins botaniques. C'est très bien. Certains de nos invités plus fous se sont incrustés tôt dans l'affaire. Et en parlant de fous,
Ouais, vous voyez, ils sont en train de construire un truc petit à petit. Petit avertissement, si vous voyez des fous bavants hurlant à la lune ou ronronnant comme un chat, faites votre devoir civique. D'où viennent-ils? Ils sont partout, Jura. Putain, ses propres hommes sont en train de se faire défoncer par les fous. Ah, juste un coup leur suffit. Alors, tout droit, c'est parti. Hardcore littéralement rempli de puissance d'un dieu. Oui, aujourd'hui est votre jour de chance. Inscrivez-vous à mon programme titan aujourd'hui et moi, Joker, Seigneur. Je tiendrai parole. Ne soyez plus gêné de vous battre à vie. N'ayez plus de mais j'ai rien compris à ce qu'il a fait là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave, allez. Arkham Est. Par là. Oui, c'est ça. Évidemment, un grand sens de l'humour. Toi, tu te tais. Hop là. On peut améliorer encore une fois la vie. On a presque le double de ce qu'on a mis. Très bien. Ensuite, il faut rentrer dans le bâtiment à gauche. Jusqu'ici, les inscriptions au programme Titan ont dépassé mes attentes. En raison de cette demande sans précédent, j'ai déclaré l'amélioration de tous les membres de mon personnel avec la formule Titan obligatoire. N'ayez pas peur, je sais que vous avez entendu parler de mutation et des... Je dois suivre la trace d'Arlequin. Je ne peux pas perdre de temps à chercher la fabrique de Titan. On s'en sait quoi, ce truc? Je sais pas. Le Joker prépare quelque chose. Merde. Ouais, et ça sent pas bon. Il se prend pour Dieu ou quoi? À vouloir jouer avec le corps des gens? S'il laissait ça sur moi, je démissionne. Moi aussi. Cet endroit est déjà... C'est Batman. Ça leur a suffi. Bon, du coup. Là, tac. Faut jamais se tenir trop près d'une porte électrique. Retenez bien ça, les gars. Ne jamais se tenir près d'un truc électrique. Alors, tiens, c'est parti. Ça faisait longtemps. Toi, il est là. Batman pourrait bien ne pas nous chercher. Vous êtes aveugle? Regardez en bas, il y a quelque chose, et ça ne me plaît pas. On obéit au Joker. Ah non, il passait directement par-dessus. Il est là, à terre. Par ici. Pourquoi il reste là, lui? Merde, il est sonné. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La ferme, on ouvre l'œil. Batman, tu m'entends? Montre-toi. Attends, attends, je viens avec toi. C'est ça, suivez-vous. Si vous faisiez un rapide décompte de ces effectifs. On obéit au Joker. Le Joker qui dépanne, il y a quelqu'un. Comment il peut faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est Batman! Mais non, tu m'as pas vu. Bon, ils font chier, ils me voient à travers tout, c'est dingue.
Je veux dire, maintenant qu'ils savent que je me balade sur les gargouilles, je veux dire, ah bah bravo. Mais non, mais pas là, mais quel idiot, mais pourquoi avec les ennemis, abruti. Non mais, sans déconner quoi. Je sais pas où il est. Quelque part au pied de nous. Qu'est-ce que tu fais? Putain, faut surtout pas que je me fasse toucher là. Et le 4, c'est minable. Je ne vous paie pas pour ce résultat. Trouvez-le. Ou c'est moi qui vous trouve. Voilà. Putain, le moindre coup, j'étais mort. Ah, bon. Ah tiens, Joker, tu es là. Il faut arrêter ça. Avant que ça aille trop loin. Arrêtez ! Tout le monde crève d'envie de voir la suite du plan. Relâche-le. Allez. Vraiment? Ok, si tu le dis, Batman. Non. Il faut vraiment que tu te bouges, Batman. À ce rythme, tu ne mourras jamais. Je dois couper le courant dans cette pièce. Mais comment? Une bonne question, Batman. Alors, j'imagine que... Ouais, ça doit, il faut, à mon avis, il faut revenir ici. Il faut suivre la petite barre qui est voilà. Qui nous amène ici, puis là, et enfin là. Le jeu qui me tarde de vous montrer, en fait, c'est surtout Arkham Origins. Putain, qu'est-ce que c'est que t'es classe, mon dieu. Entretien avec un patient. Pamela Gillian Eisley, 12 novembre, 11h33. Bonjour Pamela, comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Stop, pitié. Je ne suis rien du tout. Je suis inutile. T'as de la chance que le patron... Il est là. Ah merde. Vous n'avez aucune chance, merde, non. Explosez, Batman. Ouais. Comment il va? Voilà. Imaginez une seconde, le mec il vient de vous construire, vous mettre un batarang dans la gueule, il fait un autre que frapper dans le vide devant vous. Vous pouvez me libérer, Batman? Merci. Ça va? Ça va. Je ne fais qu'une bouchée des voyous. Que faisait-il ici? Ceux qui ne me frappaient pas ont commencé à toucher les commandes d'alimentation, là-bas. J'ignore pourquoi. On dirait que le Joker a piégé ce boîtier de commande. Ce sera plus difficile qu'avant, mais il faut vraiment que je prenne ce risque. Ah, d'accord. Et voilà. Et ben voilà. C'était pas compliqué. On dirait que j'ai coupé le courant de ce générateur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est fou. Je comprends pourquoi les graphismes sont dégueulasses en mode cinématique et que dès qu'on passe en mode jeu, hop, tout est net, tout est beau. C'est fou. Bon sang, quel acharnement, Batman! Toujours un train d'avance! Dans très peu de temps,
je serai à la tête d'une armée de monstres titans. Imagine, moi, porté dans les rues, marchant sous les corps de tous ces citoyens innocents. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte! Voilà. Alors... Ah, j'en ai marre de ces trucs-là. Putain, il faut pas être claustro, hein. Alors, c'est par où? Pourquoi il y a plusieurs chemins? Ça, ça va où, ça? C'était juste pour ça. Très bien. On a bientôt toute notre vie. On n'aura plus qu'à acheter les différentes améliorations des gadgets. Voilà. Ah, là encore une fois, on peut pas utiliser les trucs. Il va falloir sauter. Qui c'est qui chante là? Ah, c'est lui. C'est le Joker. Le Joker. Qu'est-ce que nous avons là? Ça va pas monter plus haut. À l'aide! C'est pas... Voilà. Là, mon grand. Ça doit être juste un pauvre jardinier. Vous allez bien? J'ai l'air d'aller bien. Ils étaient prêts à me tuer. On se cachait dans la volière. Et ils sont arrivés avec le Joker. Ils ont tiré partout et nous ont mis dans des cages. Ils y sont encore? Personne. Personne n'est sorti. Vous devez les aider. Restez là. Ajouter à la carte. Ok, donc il faut aller par là. Ça tombe bien, c'est la suite de l'objectif. Une autre cassette. Entretien avec un patient, Pamela Liliana Isley, 14 novembre, 10h20. Bonjour Pamela. Allez, pitié, je dois sortir de là. Très bien, Batman arrive. S'il débarque, on expédie les médecins en enfer. C'est là, en bas, pitié. Ouais, ils vont plonger. Bien, attention. Si un collier se déclenche, c'est que Batman est là. Les hommes du Joker portent tous des colliers de sécurité. Je dois d'abord liquider l'opérateur. Ok, voilà, ça voilà, ça par contre ça me dit un truc. Là, tout ça, là, je crois me souvenir d'avoir déjà échoué plusieurs fois. Batman est un homme mort. Donc là, il faut absolument, comme vous l'avez compris, sans doute, éliminer d'abord le leader qui est à côté des commandes. Pour ça, il va falloir grimper. La question est la suivante. Où est le leader? Est-ce que c'est le mec qui était dans l'espèce de tour, là? On fait pour aller là-dedans. On va l'arrêter. Je vais y arriver. Parce que c'est bien beau de m'amener ici, mais... D'accord, ils ont tous des colliers. Donc c'est sûr, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Oula. Attends, mais comment on fait? En fait, là, je crois qu'il faut que je me grouille d'éliminer celui-là, en fait, je crois. Ouais. On va tenter. Voilà. Je me grouille d'éliminer celui-là. Ensuite, paf, je monte vite là-haut. Voilà.
J'ai mis fin à la principale menace. Mais les otages sont toujours en danger. Tu as devenu mon sang, ah, papa. Tant mieux pour toi. Eh bien. C'est très bien, on va tous se les faire parler. Hé, tu m'entends? Il ne doit pas me trouver. Et il va où, lui? Bah. Voilà. Plus de menaces. Bah, tiens, ça me change. Je me souviens qu'à une époque, je crois que la première fois que j'y ai joué, j'arrêtais pas d'échouer à cette fête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon, ils sont libérés. Oui, voilà. Bon, tout va bien. Le Joker voulait faire surveiller l'entrée de la fabrique de Titan. Je dois reprendre la piste de Harley pour la retrouver. Ah. Pamela, je sais ce que vous m'avez demandé. S'il vous plaît. Oh, je l'adore. C'est une si belle fleur. Ça me dérange, je suis d'accord. Ah, non, Pamela, je... Ah. Un peu de concentration. Voilà. Et a pu. Parfait. Efficacité Batman. Regardez qui a trouvé le labo secret. Puisque tu es venu jusqu'ici, laisse-moi te montrer ce que je prépare. Sort, ça... Ah, ça va pas faire le bien, ça va faire du bien du tout. Alors par contre, là le problème c'est que... Merde. De leur vie. Ah bah ben non. Quoi? Ah non, on lance pas des gens. Non létal. Je n'ai pas de preuve qu'ils soient. Bah, gueule. Parce qu'ils sont un petit peu. Ils sont assez cool pour se faire des dégâts. Là. Ce qui
bien, c'est qu'ils soient assez débiles pour se gêner l'un l'autre. Voilà. Ben voilà, c'est pas compliqué. Double trouble. Non létal. Aucun n'est mort. Ah si, eux, ils étaient déjà morts. Vas-y. Hop, la dernière amélioration de vie. Notre armure est à fond. Parfait. Parfaitement parfait. Maîtriser les cubes de titan. Ah. Mais non, oh. Tu me diras, est-ce que ça réussit ça? Mais non. Oui. Très bien. Oracle, je viens juste de détruire la fabrique de Titan, mais le Joker s'est enfui avec suffisamment de produits pour nous embêter. Dire qu'on pensait que le pire était passé. Ils ont utilisé un hybride de plantes vénéneuses pour créer la souche du Titan. La plante est la clé. Et une seule personne sur l'île d'Arkham peut me venir en aide. Et pourquoi pensez-vous que Poison Ivy vous aidera? Si ces plantes risquent la mort, elle m'aidera. J'ai un échantillon de ces phéromones. Elle est quelque part dans les jardins. Je la trouverai. Et ouais, mes amis, j'espère donc que cet petit épisode de Batman Arkham Asylum vous a plu. Si c'est cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao, mes amis.